Et salut tout le monde, c'est Angel de MonsterHunter.fr. Tout d'abord, je vais commencer par vous souhaiter une très bonne année 2019. Donc dans cette vidéo, on va traiter de ce que prépare Capcom pour cette année 2019. Donc tout d'abord, je vais rapidement passer sur quelque chose qui est assez évident, qui est Monster Hunter World Iceborne. Qu'est-ce que c'est? C'est une extension du jeu de base Monster Hunter World. Je vais pas rester plus longtemps sur ce sujet, n'hésitez surtout pas à aller voir la vidéo que j'avais déjà faite il y a un mois. En gros, qu'est-ce que c'est? C'est du contenu G qui va arriver à l'automne 2019. Depuis décembre, on n'a pas de nouvelles infos, vu que les prochaines infos, elles tomberont qu'au printemps 2019, donc on peut s'attendre à avoir des news à partir de fin mars 2019. Donc qu'est-ce qu'on a dans cette vidéo? Qu'est-ce que Capcom a déjà annoncé? Qu'est-ce qu'on peut potentiellement supposer qui va arriver? Le premier truc que Capcom a annoncé, c'est l'animé. Monster Hunter Legend of the Guild. Donc pour cet animé, on n'a pas grand chose. On a un logo, on a un concept art, on a un studio, le Pure Imagination Studio, donc qui aurait aussi collaboré avec DreamWorks, Fox, Warner et Marvel, donc c'est quand même un studio assez important. Du coup, le scénario de Monster Hunter Legends of the Guild, il sera dirigé par Joshua Fine, qui avait également travaillé sur la série Ultimate Spider-Man. Concernant le synopsis de la série, on l'a déjà aussi. Ça va raconter l'histoire d'un jeune homme qui est déterminé à se prouver à lui-même qu'il est un véritable chasseur de monstres. Sauf qu'en fait, son village va se retrouver sur la route d'un dragon ancien, et du coup ça va entraîner pas mal de péripéties. Sur ce concept art, on reconnaît le Nersila, donc un monstre qui est apparu dans la 4ème génération, et on remarque aussi une silhouette un petit peu bleutée qui fait un petit peu penser au commandant d'élite, justement, de Monster Hunter 4. Donc on peut émettre l'hypothèse que le scénario tournerait autour du commandant d'élite. D'autant plus qu'on sait que par le passé, il aurait eu à combattre le Kushala d'Aora. Donc en fait, Legends of the Guild pourrait potentiellement se dérouler juste avant Monster Hunter 4. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, mais le cadet d'élite de Monster Hunter 4 est aussi potentiellement présent dans Monster Hunter World. Il n'a jamais été confirmé, mais on a quand même des grosses suspicions que ce sont les mêmes personnes. Malheureusement, c'est à peu près tout ce qu'on sait de Monster Hunter Legends of the Guild. On sait aussi que c'est attendu pour 2019. Mais aucune date de sortie, aucun trailer ou même aucun support, donc pour l'instant on est un petit peu dans le flou, mais vous voyez qu'on peut quand même émettre pas mal d'hypothèses. Dernière info concernant Legends of the Guild, c'est qu'on peut s'attendre à une sortie internationale. Contrairement aux autres animés Monster Hunter, l'annonce elle a été faite sur le Twitter international de Monster Hunter. Donc on peut tout à fait s'attendre à une sortie internationale, parce que sinon ils ne l'auraient tout simplement pas annoncé, d'autant plus que le scénariste est américain, si je ne me trompe pas, américain ou anglais. Donc le public visé est très certainement international. On va maintenant passer à l'Opus Switch. Alors l'Opus Switch, vous avez peut-être raté cette news parce qu'il n'y a eu qu'une seule news, et c'était en juin 2018. En fait, Capcom a fait une conférence avec ses investisseurs, et un utilisateur de Twitter, Kudai Seidaos, aurait demandé lors de ce meeting si Monster Hunter World allait être porté sur Switch. Évidemment, Capcom a répondu que non, la Switch n'était pas capable de faire tourner Monster Hunter World, mais ils auraient répondu quelque chose d'assez intéressant, parce qu'en fait, ils auraient dit qu'ils préparaient un Monster Hunter spécialement fait pour la Switch. Face à ça, donc, le site IGN a contacté Capcom, qui n'a ni affirmé ni démenti ce qu'avait dit l'utilisateur Twitter. Donc on n'en sait pas plus, mais pour autant, s'ils ont ni démenti ni affirmé, on peut se dire qu'ils l'ont réellement dit. Donc, potentiellement un Opus Switch est dans les tuyaux. D'autant plus que pour Monster Hunter, Capcom fonctionne avec deux teams, donc il y a une team principale entre guillemets, qui est la team Osaka, qui elle se charge notamment de développer les gros opus, donc Monster Hunter Cap, Monster Hunter 3 Tri, Monster Hunter World. En fait, c'est le studio qui s'occupe de passer un petit peu à la prochaine génération, donc c'est eux qui font la base du travail, on va dire. Et il y a la team B, qui par exemple participe au Monster Hunter G, mais qui fait aussi d'autres opus, par exemple, c'est eux qui ont fait Monster Hunter Cross ou Monster Hunter Génération. Et donc du coup, cette team B, on n'a aucune info de ce sur quoi elle travaille. Donc elle pourrait tout à fait travailler sur un opus Switch. Il faut aussi savoir que ce meeting, il a été tenu en juin 2018, et que même si chez nous, Monster Hunter Génération Ultimate n'était pas sorti sur Switch, au Japon, il était déjà sorti, et évidemment, il ne parlait pas du tout du portage de Monster Hunter Generation Ultimate sur la Switch. Il parlait vraiment d'un nouvel opus spécialement développé pour la Switch. Donc pour cette annonce aussi, on n'a pas énormément d'infos, mais quand même, on entrevoit un petit avenir concernant cette info. Tant qu'on est dans les théories, là c'est très personnel, mais il pourrait très bien aussi annoncer un Monster Hunter Stories G. Le Stories premier du nom avait extrêmement bien marché, et je crois pas, à ma connaissance, qu'on ait de rangée
Donc là, c'est tout à fait personnel, il n'y a aucune information, aucun petit leak, aucun quoi que ce soit qui nous permette de toucher du doigt qu'il développe en ce moment Monster Hunter Stories Gem. Il pourrait très bien le commander à un autre studio, comme ils avaient fait pour les Monster Hunter Aerumura, où là, c'était From Software qui avait fait ces opus. Enfin, l'autre gros morceau, c'est évidemment le film Monster Hunter. Donc pour ce film, il faut savoir que c'est un projet qui a été initié il y a très très longtemps, parce que le réalisateur du jeu, donc Paul W.S. Anderson, il en parlait déjà il y a 7 ans. Donc on n'a pas de titre, on a quand même un budget, on sait que le film va coûter 50 millions de dollars, enfin qu'il coûte 50 millions de dollars, on a quand même un synopsis, donc je vais vous le lire. Pour chaque monstre, il y a un héros. Un homme ordinaire au job ennuyant découvre qu'il est en fait le descendant d'un ancien héros. Il devra voyager dans un monde mystique pour s'entraîner et devenir un Monster Hunter, avant que les créatures mythiques de ce monde ne détruisent le nôtre. Évidemment, on peut s'attendre à de nombreux effets numériques, et du coup, le studio MRX a fait une vidéo, non pas sur le film, mais sur leurs effets en général, et du coup, on a pu avoir un aperçu du Gormagala et du Rathalos, qui sont en train de se battre dans une galerie commerciale, donc comme vous pouvez le voir. Ce que l'on sait aussi du film, c'est que le producteur Jeremy Bolt a déclaré qu'ils avaient prévu deux films, donc ce sera pas qu'un one-shot. Et d'ailleurs, Anderson, le réalisateur, a aussi déclaré qu'il voulait un petit peu en faire une espèce de franchise. Tout du moins, lors du premier film, ce qui allait se passer, c'est qu'en fait, le film commencerait dans notre monde, puis on va passer dans le monde de Monster Hunter, donc dans le film, il y aurait vraiment deux mondes distincts. Et enfin, l'acte final nous ferait revenir dans notre monde. Il y aurait une bataille épique, avec un aéroport, etc. Et ensuite, en fait, les créatures, donc les monstres, donc le Rathalos, etc., ils vont venir dans notre monde pour justement se venger. Donc là, apparemment, on aurait le second film. Concernant les acteurs présents dans le film, on aura évidemment Mila Jovovich, qu'on avait déjà vu dans les Resident Evil, qui est la femme de Paul Anderson. On a aussi Ty Harris, qu'on a vu récemment dans Ant-Man, mais aussi Ron Perlman, que vous avez déjà vu dans Hellboy, mais aussi dans Sons of Anarchy. Donc Ty Harris jouerait le personnage de Link, qui serait un sniper, alors que Ron Perlman jouerait le personnage de l'amiral. Mila Jovovich, quant à elle, jouera une personne qui s'appelle Artemis. En plus de l'amiral, le film il essaye de regrouper pas mal de personnes qu'on connaît. Apparemment, il y aurait une assistante, il y aurait Aiden ainsi que son assistante. Donc est-ce que ça va être un petit peu comme Monster Hunter World où chaque hunter a son assistante? Je ne sais pas. Mais il faut aussi savoir qu'ils ont insisté pour avoir la présence des palicos. Donc le film, même si sur aucune image et sur aucun trailer, enfin sur aucune vidéo, pardon, on voit des palicos, eh bien sachez qu'ils seront bien présents dans le film. Donc voilà, j'arrive à la fin de tout ce qu'on sait sur ce film. Pourtant, il y a un dernier truc, c'est que mi-décembre, donc pour être exact le 22 décembre, Paul Anderson a annoncé avoir terminé de filmer. Donc évidemment, il reste encore plein de trucs à faire derrière, toute la phase de post-production, étant donné qu'il va falloir intégrer des Rathalos, des Gormagala, etc. Même si on a pu voir dans la vidéo de MRX qu'ils avaient déjà commencé à travailler là-dessus, ils ont quand même du travail derrière. Mila Jovovich a aussi dit sur Instagram que c'était vraiment l'un des films les plus difficiles qu'elle a fait, donc est-ce que c'est un bon signe, est-ce que c'est un mauvais signe? Je ne sais pas. Mais en tout cas, Paul Anderson a fini de tout filmer, et du coup maintenant c'est que de la post-production. Pour la date de sortie, on n'en a pas non plus, on sait juste que ce sera courant 2019. Pour finir, sachez qu'en mars, la série Monster Hunter va fêter ses 15 ans, et donc sur le site officiel de Capcom, on peut voir qu'il va y avoir des annonces. On sait pas du tout ce que ce sera. Est-ce que ça va être tout ce dont je vous ai parlé dans la vidéo? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est les 15 ans et du coup, je pense que Capcom va essayer de marquer le coup un petit peu. Donc, rendez-vous en mars et j'espère qu'on aura plein de news et plein de bonnes nouvelles. Sur ce, je vous souhaite encore une superbe année 2019. Prenez soin de vous, des bisous et ciao tout le monde!